J'irai pas, vous vous trompez. Tout va bien. Fais pas le con. Pose le téléphone. J'ai pas fait exprès. Je suis surveillant. Il faut que je te dise des choses comme ça. Oui. Il faut être fort. Tu veux t'asseoir? Attends. Attends un peu, j'ai un message. Ok. Bon, il n'y a pas de chaise. Le bureau de la directrice. Bon, tu sais que ce genre de comportement ne te mènera nulle part. Et je joins les deux mains ensemble pour donner du poids à ce que je dis. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, le plus dur, c'est de garder la pose d'autorité longtemps. Je vais y arriver, hein. Je suis désolé. Je comprends tes idées. J'ai surtout pas d'idée, madame. Deux au bœuf et un au poulet. Mais le deuxième bœuf, c'est pour quoi? C'est pour qui? Pour moi. Et le poulet? Pour toi. Mais non, moi c'est le bœuf. C'est pas toi le poulet? Ah, ah mais c'était une blague. Moi le poulet, moi le policier, moi le flic. La tentative d'altruisme qui s'est produite à l'école numéro 10 tôt ce matin et qui bouleverse la ville, le pays, le monde entier, connaît maintenant un nouveau rebondissement. J'ai raison de croire que cet individu ne serait même pas gay. Ce qui rend son geste encore plus douteux et incompréhensible. Le niveau d'alerte passe ainsi de 4 à 5, le niveau le plus élevé. Nous présentons ici sa photo, tirée de son profil Facebook. J'ai fini, j'ai un match. Chapitre 6. Les noms concordent. La mère de Stache et le père de Stache arrivent le plus discrètement possible à la porte de leur domicile en regardant à gauche et à droite. Le père de Stache a les clés de la maison à la main. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les parents du jeune qui a ramassé les crayons à l'école? Non, pas du tout. Laissez-nous tranquille, vous ne respectez rien. Chapitre 7. Je me demande. Le chef du pays s'éveille, enfin d'avant-midi. Oh, t'as bien dormi? Si on peut appeler ça dormir. On a fait l'amour ou quoi? Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je te rappelle que t'es le chef du pays. Quoi? Je me demande, quoi? Avec ou sans sous-vêtements aujourd'hui? Je l'ai menacé de faire mon cri très 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 aigu. Un cri très 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 aigu? Très 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 très, très aigu. Vous pouvez me le faire? Certainement. Ah! C'est pas si aigu que ça. Je l'ai pas bien réussi. Habituellement, c'est plus aigu. J'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Ce pays doit retrouver la paix. Le chef du pays s'adresse à son peuple. Je pointe mon doigt en l'air et je l'agite. Et je répète plusieurs fois ce que je dis. Plusieurs fois ce que je dis. Ce que je dis. Il pointe son doigt, il a sûrement raison hein, dans ce qu'il dit. Moi j'y arrive pas. Ah, c'est pas donné à tout le monde. Ma sœur, c'est bon, explique-moi. Il t'avait rendu service? Non. T'as fait ça gratuitement? Ben, ouais, je sais. Pourquoi? Je sais pas. Là, tu m'aides, non? Je t'aide pas. Je remplis ma fonction, je suis ta copine. Imaginez, dans une plaine, comme dans un western, avec un vent chaud qui souffle subtilement, un peu de foin passe sous le coup du vent, moins que ce soit dans un bureau. Ah oui, 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 oui. C'est plutôt dans un bureau finalement. Dommage. On voit surtout le chef du pays pour l'instant et puis aussi son assistant. Je pointe mon doigt et je l'agite. Et je répète plusieurs fois ce que je dis. Plusieurs fois ce que je dis. Ce que je dis en pointant mon doigt comme ça. Toi! Moi? C'est l'heure de subir ton châtiment. J'ai pas trop envie d'être exécuté, s'il vous plaît. Tu fous le bordel! Où on irait si tout le monde faisait comme toi? Aidez! Je promets. Je ferai plus jamais passer les intérêts des autres avant mes intérêts à moi. J'ai pas voulu aider pour vrai. Je me suis trompé. Ce que je disais? Qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Je disais ça, moi? À peu près. Vous ne devriez pas, mais vous disiez ça. Je dis tellement de choses. Je l'ai pas tweeté, au moins. Non, ça va. Mais il y a les caméras et les journalistes. Bon.
De toute façon, si ça va pas, je dirais qu'ils font de la fausse information. Des questions, les journalistes? Pas toi, toi non plus. D'ailleurs, pas de questions. Si on revenait à son exécution? Tout à fait. C'est moi qui les pose, les questions. LA question. C'est une question de culture générale? Pas de géographie, si possible. C'est un genre d'énigme, comme la question du lynx.